Hello, Desiderio Desi qui perdre toute chance. Gallo Desiderio Desi qui va perdre toute chance. Et les bolides qui s'élancent dans ce prix. René Vallière, quelques-uns des meilleurs trotteurs européens sont là avec Vivid Wisas qui est bien parti côté corde. Et Ilao Tiar bien parti également au centre avec Orsi Dream qui est là. Inmar Rosa également au centre. Et puis tout en dehors, Izoar Bedake qui s'est élancé correctement, qui est pour le moment à flanc de peloton pour aborder la descente. Ah, Izoar Bedake qui se rapproche à l'extérieur avec Vivid Wisas Las qui est côté corde. Ilao Tiar, le numéro 4, vient maintenant en tête également qui accélère avec Orsi Dream qui est là, quatrième devant Inmar Rosa. Diva del Ronco, le numéro 10, à l'arrière garde Ahmed Litton le 6 ainsi qu'Okaido Gel, le tenant du titre. Le bal de la descente, Ilao Tiar a pris les commandes à son extérieur. Izoar Bedake qui va peut-être tenter de le relayer en troisième position. Vivid Wisas à tout près, le gagnant de l'élite Lopette. Orsi Dream est là avec Inmar Rosa dans son dos. Elvis Duvalon un peu plus loin. Et puis côté corde, Diva del Ronco. Okaido Gel et lui à l'arrière du peloton avec Ahmed Litton et Ganet Banville. Et Clément Duval Destin qui s'est retourné à quelques reprises au sulky d'Ilao Tiar. Il est en tête avec à son extérieur Izoar Bedake. On a Vivid Wisas qui est côté corde en troisième position. Orsi Dream est quatrième avec dans son sillage Inmar Rosa. Diva del Ronco n'est pas loin dans la boîte avec Elvis Duvalon le numéro 2 ainsi que le 12 et des Darling. Direction le dernier kilomètre, une 7-9 en bas de la descente. On va voir le chrono dans quelques instants. C'est toujours Ilao Tiar qui mène à son extérieur Izoar Bedake avec derrière eux Vivid Wisas également bien placé. Orsi Dream qui est là devant Inmar Rosa sur une troisième ligne. Elvis Duvalon vient un peu plus loin. Okaido Gel commence à se décaler. Une 8-6 au kilomètre avec Ilao Tiar, Izoar Bedake ensemble avec également Vivid Wisas qui est toujours côté corde. Orsi Dream qui attend son heure. Okaido Gel maintenant qui annonce son effort à l'extérieur. Et Orsi Dream qui va peut-être se décaler, mais on arrive en haut de la montée, toujours sous l'impulsion d'Ilao Tiar. On accélère avec à son extérieur Izoar Bedake. Orsi Dream qui est là avec côté corde, Vivid Wisas et Okaido Gel qui tente de faire le tour. Et ça va sprinter, on aborde les 500 derniers mètres avec Ilao Tiar qui est en tête à l'extérieur. Izoar Bedake avec Vivid Wisas qui est côté corde. Orsi Dream qui patiente toujours avec Okaido Gel à l'extérieur pour maintenant sortir du tournant final. Avec Ilao Tiar qui a l'avantage depuis le départ, qui accélère maintenant. Et Okaido Gel qui vient en dehors au centre. Izoar Bedake qui est là, Orsi Dream qui est dans la boîte. Il reste maintenant 300 mètres à parcourir. Ilao Tiar qui accélère encore en pleine piste. Okaido Gel qui ne lâche rien avec côté corde. Vivid Wisas, Okaido Gel de plus en plus fort qui tente de prendre l'avantage sur Ilao Tiar qui repart. Et voilà Orsi Dream en dehors. Orsi Dream sur une simple accélération qui va remporter ce prix René Vallière. Deuxième place pour Ilao Tiar devant Vivid Wisas. Et ensuite, Okaido Gel. Il est dans la forme de sa vie, Orsi Dream, et il enchaîne une nouvelle victoire.